Yep YouTube, c'est chez Loser, on est sur Dark Souls 3 pour la suite de nos vidéos. Alors, on va faire pas mal de petites choses avant de continuer, entre guillemets, la zone principale. Donc, je vais déjà parler à Ciri. I have not thanked you for your generous rescue. Qu'on avait aidé hein, dans la précédente vidéo. That dark spirit was one of Rosaria's fingers. La zone d'Irithyll. Vile bastard offspring who lurk in the darkness. My sworn enemies. Donc elle a des ennemis jurés. Fearsome invaders, to say the least. I would not have made it alone. You have my deepest gratitude. Et du coup, elle nous donne l'anneau félin argenté. Bon, c'est l'anneau du chat hein, qui permet d'éviter de prendre des dégâts de chute importants. En tout cas, ça les réduit. Et Persemaille bénite. If you require help on your travels, I offer you my sign. Blessing of the moon upon your journey. D'accord. If you require help on your travel, blessing of the moon upon your. Et donc la perce-maille, c'est ça perce les, bon, comme le nom l'indique, hein, les mailles et les armures hein, et les boucliers. Le forgeron, c'est bon, je vais pas m'embêter avec lui. Je vais aller voir Yuria parce que ça fait depuis pas mal de temps que je lui ai pas parlé. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à m'indiquer de plus? Connaissez-vous une jeune fille du nom d'Henri? Oui, oui, tout à fait. She, a fellow of mine, guides her at this moment. When the time is right, thou mayst make thy salutations. For what lord taketh no spouse? Our lord and liege, knowest thou she is hollow, and will join thee in wedlock. A fellow of mine guides her at this moment. Ouais. When the time is right, thou mayst. For what lord taketh no spouse? Elle est super énigmatique, hein, Yuria, franchement. Donc ici, il y avait, moi je l'appelle le dépressif, là. Et toujours pareil, en prenant quelques renseignements, il semblerait qu'on puisse récupérer son bouclier. Ça serait son bouclier de Faucon du Breuil. Comment se fait-il que son bouclier, on dirait que même il y a son arme là. En tout cas, il y a une épée. Cette tombe. Alors, comment l'interpréter? Bon, bah, on l'interpréterait limite, il est mort, hein. Mais. Qui l'aura enterré ici, enfin voilà, ça nous pose pas mal de questions. Bon, je sais pas, peut-être que par la suite on va avoir une quête sur lui, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. Mais bon, on a récupéré son bouclier. Je vais déjà aller à Irithyll au début de la zone, parce que quand on avait fait la quête de Ciri, toujours pareil, avec des infos sur le net, il semblerait qu'on puisse récupérer l'armure de celui qu'on avait combattu, le spectre rouge. Bon, j'aime bien faire toutes ces petites choses en début de vidéo, comme ça. Pas sûr, hein, pas sûr que ça soit maintenant. Non, ça n'a pas l'air. Logiquement, l'objet aurait dû être ici, là, sur le pont. Bon, peut-être par la suite. Faudra que j'y revienne ici. Il faut avancer un peu plus dans la zone, sûrement. Bon, ben nous, on va aller parler à la chevalière Henri. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc dans l'église de Yorshka.
parce que globalement, on avait tué son ami, hein. Donc comment on va le prendre? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. Elle a retrouvé Horace. But my duty must be done, even alone, as an unkindled Lord Seeker. Oula, un mort, elle. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this. Recompense. Et en plus, elle m'offre quelque chose. Ça, je m'y attendais pas du tout. And also a token of protection. May the flames guide your way. L'anneau de l'œil magnifique. On va regarder ce que c'est. You are brave indeed. To face your duty, I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Récupère résolution silencieuse. Une émote. I would do well to learn. May the flames guide. Ouais, alors franchement, elle est ultra bizarre. Elle dit qu'elle a trouvé Horace. Et elle ne s'en soucie plus du tout. Elle commence limite à nous faire des petits compliments et tout ça. Je la sens pas du tout, cette chevalière. Non, je la sens pas. Alors, l'appareil. Ça, franchement, pour le trouver, je vous avoue que sans internet, je ne l'aurais pas trouvé. Donc, je vais prendre une petite dague parce qu'il faut pas surtout. Il y a une statue là. Est-ce que si je fais une petite roulade? Non, faut que j'y tape dessus. Bon, la dague, elle devrait pas faire beaucoup de dégâts. Voilà, alors ça, franchement, sans internet, j'aurais pas trouvé. Je l'avais pas trouvé, hein, sur mon très très vieux run. Oh my. You are. But I'm afraid we require as long as it takes at our gracious. Oh, but as long as... Ouais, je ne dis rien de plus. Bon, par contre, je sais qu'il... Toujours pareil, d'après mes infos, il faut vraiment pas tuer ce mob-là. Ce PNJ. Alors là, par contre, j'avais vraiment pas tout exploré. À la fin de la précédente vidéo, j'étais pas rentré dans le bâtiment là. J'étais allé de ce côté, ouais, ça ici je l'avais fait, mais là par contre, ouais, là on n'y était pas allé. Casque de sorcière du feu. Ah, on peut looter leur armure. Attends, il y a un monstre là. Oh, t'as pas de chance toi. Ah ouais, tu peux quand même me toucher toi aussi d'ici. Ah, je transperce la porte moi. Bon, ça c'est moyennement fait, mais bon. Bon, ok, ça c'est pas grave. Ça arrive. Mais bon, c'est vrai que... Tu transperces la porte avec ton épée. Du coup, ok, toi tu m'as vu. Ah, est-ce qu'il est tout seul ou... Allez, viens là. Ouais, il a l'air d'être tout seul. Allez, bah... Oui, t'attends que je casse mon arme sur ton bouclier, ça je m'en doute bien. Moi je préfère te faire ça, aller là. Gemme de foudre. Alors là par contre cet objet. Ouais, enfin, je me laisse tomber sûrement. Et là, il n'y a rien du tout. D'accord, passage secret. Anneau de poigne magique. Je retombe où là? Anneau de poigne magique. Ça doit être de la résistance à la magie. Je vais quand même regarder. Ça peut être
Ça peut être intéressant. Améliore les attaques magiques, mais altère l'absorption des dégâts. Non, ça c'est pour les mages. Donc plus de dégâts magiques, mais par contre ils prennent plus cher. D'accord, je reviens ici. Ça marche. Bon, à part cet objet. C'est bizarre. J'aurais cru qu'il y avait plus de mobs ici. Bon, c'est peut-être des mobs qui font leur ronde. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont barrés. Ouais, je sais pas. Je ne sais point. Bon, en tout cas, nous, on va continuer notre aventure. Ok, elle est partie. La chevalière bizarre. Anecdotique. Oh, je te lance de ces mots. Donc, je peux remonter de ce côté. Des plateformes. Pareil, cette pièce, elle est bizarre. Bon, bah, la suite, ça doit être par ici. Liste des chevaliers. Qu'est-ce que c'est, ça? Je peux voir ça où? Liste des chevaliers. Donc c'est pas dans les armures, non? Ça aurait dû être... J'ai positionné cet anneau là. Améliore les dégâts tant que l'attaque dure. Je pense que ça peut être pas mal. Là, ça c'est quoi? Passer en revue les chevaliers de la lune noire. Ah, objet de jeu en ligne, d'accord. Là, on sort du bâtiment ici. Une descente. C'est quoi ça? Ah oui, putain, c'est des spectres, ça. J'ai vu des... Ok, il y a des yeux là. On va éviter de se laisser tomber, hein. Ah, Crétonne, voilà, c'était Crétonne. Donc tu es où, toi? Donc il faut peut-être le retuer pour après aller récupérer son armure. Attention, je vais pas rester en bordure. Tu es où, mon gars? Non. De toute façon, il doit pas être loin. Hein. Je vais pas aller ramasser l'objet. Ok, il est là. Oh putain. Ouais, ok. Là, tu dois avoir quasiment plus d'envie quand tu fais cette grosse attaque là. T'as une impression qu'ils ont un max d'endurance.
que là, par exemple, avec toutes les attaques qu'il lance, je pourrais lui faire un backstab tranquille. Par contre, qu'est-ce qui me casse mon endurance, lui? Non, non, t'en as... Putain, mais il en a encore! Ah, c'est pareil. Là, j'aurais dû lui mettre. D'accord, ah oui. C'est ça, c'est pour ça que je préfère souvent me mettre en foule. Parce que s'il me met... Allez, là t'es dead. S'il me met, comment s'appelle son truc là, où je peux pas me soigner, tiens, on a récupéré sa hache. Bon, ça je vais la regarder quand même. La hache tueur de dragon. Et du coup, peut-être que maintenant que je l'ai repété une deuxième fois, je peux récupérer son armure. J'irai vérifier. Rose du retour. Yes, fragment d'os de mort-vivant. Donc on va passer en plus 7. C'est quand même pas mal du tout. Là, je peux redescendre. Bon, ça va. Ils sont pas ultra puissants ceux-là. Par contre, là-bas, il y a un Kleps. 2. Tout à fait pareil cela. Pièce rouillée. Bon. Alors là, on a exploré. Donc je vais descendre ici. Hein. Là, ça commence à devenir très sombre. Waouh, c'est quoi tous ces mobs là? Il y a un stock de mobs là. Ils sont quand même nombreux là. En plus, j'y vois que dalle. C'est dommage qu'on puisse pas avoir comme dans Bloodborne une petite torche ou quelque chose comme ça positionnée sur la ceinture. Petite loupiote, ça aurait été bien. D'accord, là ils sont. Ils sont à terre. Ils sont en train de ramper. Il y en a même qui tombent du plafond là. Toi par contre, toi t'es pas. Voilà, c'est bien. T'es de dos. Ah putain, caméra. Ah tu peux. Tu peux pas les cibler en fin de compte. Bon, ça me dérange pas. Hein. C'est quoi qui sont en train de baver un truc là? Hop hop hop. Attends. T'es pas mort toi, ça y est. Là il y en a un autre qui est tombé. On va déjà nettoyer un peu la zone. Hein. Rien par là. Bon alors ça déjà, qu'est-ce que c'est? Pilule, ouais. Il y a une échelle, un objet en hauteur. Ah,
soigner un petit coup quand même. Oh, ça va, ils sont pas... Ah, par contre, ouais. J'allais dire, ils étaient pas très énervés, mais ouais, quand ils tombent dessus et qu'ils te mettent... Qu'est-ce qu'ils m'ont mis, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. Jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Il file des pilules bleues. Voilà, tiens, mange ça en pleine tête. Ça te fera réfléchir un petit peu, moi je te le dis. Putain, mais... Là, t'as une impression que c'est... C'est vraiment un nid de monstres, là. J'ai quand même envie de mettre une torche parce que vraiment j'y vois rien du tout. Bon, j'imagine que mes roulades voilà, sont dégueulasses, mais c'est pas grave. Au moins. Bon, de toute façon, je sais que si je tombe, je pense pas que je meurs. Et dans le doute. On va se servir de l'anneau du chat, là. Histoire de prendre le moins de dégâts possible. Pierre de confession. Je sais pas trop à quoi ça sert. Tiens, là-bas, je peux passer par ici, là. Ah d'accord, mais c'est des petits magots, hein. Des petits magiciens. Je retombe où, là. Pas je vois pas trop. D'accord, il est tombé d'un côté, tant mieux. C'est quoi ça? C'est un monstre là-bas? Ouais, il y a une plateforme juste en contrebas et il y a un coffre et la chaînette a l'air d'être bonne, donc c'est pas une mimique. Il est où? Putain. Alors lui, franchement, je sais pas d'où il est sorti. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, allez. Voilà, je peux me laisser tomber ici. On arrive au niveau du lac. Je vais mettre toujours pareil l'anneau qui me permet d'augmenter un peu la dex. Je prends combien? 3. Ouais, je prends 3 points d'attribut en dex. C'est pas mal. Il n'y a pas un objet sur la plateforme là? Non, j'ai pas l'impression. Ça me permet directement d'accéder à la zone un peu plus basse. Je vais passer par les escaliers. Moi. Bon, et dégagez, vous allez pas me saouler vous. Mettre le bouclier en avant parce que on commence à plus avoir beaucoup de potions. Mmh. Voilà.
attention, c'est quoi ce cri là? Ils sont tous réveillés là ou quoi? J'ai bien l'impression, oui oui. Ouais. J'ai récupéré une popo et ma batterie de DualShock 4 est faible. Okay. C'est celui-là qui guérit ou... Alors du coup, gemme sanglante. D'accord. Je vais aller brancher la batterie. La manette. Ça serait bête. Allez. Qu'elle se décharge. Juste au moment où je suis en combat. De gros mob ou de boss ou de... Qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est quoi ces trucs là? Il n'y a pas de passage secret par là? Non, pas l'impression. Donc bon, il y avait une gemme sanglante de ce côté. Donc là, il y en a une. Ah, c'est quoi ces trucs là? Il y avait des... Actuellement, si j'y tombe dessus là, oh, il est loin, hein. Il est très loin là. Tiens, mange. Oh, c'est quoi ces trucs dégueux? Anneau sacrificiel. C'en est un autre ça? Non, c'est un cadavre. Mais à mon avis, putain, des styles d'araignées, je sais pas quoi, là, bizarroïdes, qui font un bruit de merde, strident. Donc là, on est dans le lac, hein. Donc nous, on a commencé la zone, ça c'est le pont, et nous, juste au-dessus de ma tête, là. On le voyait, ce lac. Là-bas, il y a un petit endroit. Style de petit truc vert, là. On dirait un petit souterrain ou quelque chose. Ici, il y a quoi? Il n'y a que dalle. Alors, à mon avis, là... Ouais, il va y avoir une colonie de ces bestioles, là. Ok. Il y en a deux qui sont pas mortes. Il y a une larve, là. On sait pas trop si elle est morte ou pas. Je vais m'en débarrasser de ça. Je vais voir un petit peu ce que c'est. Pouah, 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 pouah. Ça, je pense que tu vois un truc comme ça une seule fois dans ta vie, bah je pense que t'es t'es marqué jusqu'à la fin de ta vie. Soin majeur. Encore un autre endroit. Non, non, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, ça. Non. Bon, je sais pas. Je vais zioter. Non, il y a rien du tout. Je vais aller récupérer l'objet là-bas. J'adore ces roulades invisibles, là, parce que ça permet de... Alors, c'est psychologique, hein. T'es pas invisible. Enfin, t'es pas invincible avec cet anneau, hein.
pendant le moment de la roulade, mais ça te donne cette impression. Et du coup, psychologiquement, ça fait du bien. Donc là, il y a un passage de ce côté, ouf, dans le grand bâtiment là. Fleur verte, ça c'est pour l'endurance. Je vais quand même regarder. Ouais, bon, chute mortelle. Non, rien du tout là. Il n'y a pas une petite plateforme en dessous, rien. Ça n'a pas l'air. Tiens. Ici, on a déjà un feu de camp. Ok, je vais prendre ça. Je vais regarder seulement. Il n'y a rien là. Donc je peux partir par là. Je vais revenir sur mes pas parce que... Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, là. Type de tunnel. Ouais, donc on a un objet par là. Par contre, il y a de la bestiole. Hein. Il y a de la bestiole. Ouais, voilà. Il y en a. Sauf que là, on est dans leur nid, là. Oh, putain. On est complètement dans leur nid, à ces trucs de merde. Là, vous êtes bien, là. Là, vous êtes bien. Putain, ça doit schlinguer. En plus, il y a de la bouse. Rien que là, tu te donnes l'impression que ça pue la mort, mais un truc de fou. Hein. Putain, ça pue la mort et la merde. Ah ouais, vas-y. Ah, ils sont bien, là, en train de... dans leur merde, dans leur gerbie. Là, tu touches le rien que tu touches leur style de poils de cheveux là, tu chopes le choléra, la peste et je sais pas quoi là. Et puis alors, moi j'aime bien ramasser la bouse, moi j'aime ça la merde. Là par contre, là ils sont nettement plus nombreux. Il y en a 3. Ça va. Ah bah, il se réveille pas. T'as le temps. Ok, c'est bien. C'est déjà c'est mieux qu'une bouse. Ouais, bon, ça donnait pas grand chose. Attends, regarde quand même si j'ai pas oublié un petit truc. Tiens, là par contre. Ah, cendre couverte d'excréments. Bon appétit si vous regardez la vidéo pas loin d'un repas. Hein. C'est miam miam. Ah, mais on te revoit, Mister. Qu'est-ce que tu fais là, tête d'oignon? Ça y est, t'as récupéré ton armure, tu n'es plus dans ton... Bah putain, il ronfle là. Putain, une marmotte le truc. Ouais, tu te réveilles quand même ou... Ah bah oui, t'es bien assoupi, oui, c'est... Il fait plutôt chaud, bah enlève ton armure là, c'est sûr qu'avec ton truc là... Ah, remercie-moi. I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude, and a little surprise to go with it. It's all yours. Ah, tu me donnes quoi? Émission de force? Ouais, j'aurais préféré que tu me files de... Pff, quoi que ton armure, même pas. I know. Won't you join me for dinner? Manger un petit morceau? Une soupe d'estus. Ah bah désolé, je l'ai déjà vu. Hein.
Even we undead deserve a little normalcy. And finally, upon this rendezvous. Ah, il me file une autre Ziegbrot ça à donner. Ah, tiens, il faut que j'y retourne voir le petit corbeau. To your valor, my sword. Non. Have you heard? And even below that, the profaned capital, home of Yorm. C'est le foyer de Yorm, le seigneur géant solitaire. That reminds me. I've a grave promise to keep. Quelle est ta promesse? Sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Well, I'm going to oh, d'accord, tu ne dis rien de plus, je veux encore. Bon, lui, à part picoler et siester, il ne fait que ça. Ah ouais, là, tu t'es endormi direct, là. Oh, il est excellent. Bon, il me fait marrer. Il me fait bien marrer. Bon, bah, nous, on va continuer par là. Hein. Attends, je vais quand même lui reparler, parce que... Non, 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 là, on n'arrivera pas à le réveiller. Si, je vais lui mettre un coup de katana, non. Non, je pense que ça serait pas bon pour continuer sa quête. D'accord, il y a un chevalier noir ici, ça sent le piège, là. Hein. Ça sent le... C'est quoi, ça? Ok, il y a un... C'est quoi, il a une massue, c'est quoi, c'est en tout cas c'est le haut de son casque ça. Donc il y a un chevalier noir là. Elle est magnifique cette pièce. Bon, il y a un étage, lui là. Tu viens toi? Coucou, regarde. Ouais, ouais. Alors attention à eux parce que... Ah ouais, en plus... Putain, c'est quoi ces dégâts? Ouais, mais alors lui, faut pas qu'il inflige son arme en foudre là. Hein. Ok, bénédiction divine, grand fragment de titanite. Bien. Pop, pop, pop. D'accord, c'était un arc. Ouais, un arc géant en plus. Donc là, il y a un passage. Comment je monte à l'étage? Ici, là? Ouais, ça a l'air d'être là. Il y en a un autre là-bas. Ouais, ça viens par là, toi. Viens par là, franchement. J'aime bien combattre des fois dans les escaliers. Par contre, attention à cette attaque là. Ah oui. Pas intérêt de prendre son attaque. Tu prends une attaque là quand il fait, quand elle est infusée en foudre, plus une autre attaque, c'est fini. Hein. C'est terminus. Tu m'as vu toi. Oui. Pourquoi il est entre deux jarres là? Ok, voilà. Il n'y en a plus qu'une. Ouais, il y a de la glace par contre dans ces jarres. Non, ça se dissipe pas, ça reste. Non, ça y est, ça s'est dissipé. Voilà, tu me vois pas là, tu me vois pas. Voilà, déjà, prends ça. Ah, tu... Attends, reprends ça dans la gueule. Ah, t'es pas mort.
putain, ça par contre c'est abusé. Ouais, ouais. T'hésites entre ton arc et ton arme. Ah, par contre, deux fragments. Alors. Est-ce que j'ai le temps de regarder un peu les... Ouais, bon, ça, c'est encore plein de clins d'œil à la saga. À la trilogie des Souls. Voilà, c'est des petits clins d'œil, mais j'adore. Oui, là, il y a un petit rappel à Dark Souls 1. Qu'on fera également sur la chaîne. Hein. Voilà, dès que j'aurai un petit peu les moyens, je vous le proposerai parce que, bien sûr, impossible de ne pas faire la trilogie complète. Alors, les DLC, ce sera sûrement plus tard. Alors, attention. Mais voilà, déjà, Dark Souls 1. Ok, c'est bon. Vous avez vérifié les chaînes, les chaînettes. Donc, Anneau du Lion. On va regarder ça. Le grand marteau, parce que marteau, non. Mais marteau, c'est mieux. De Smoog, ça c'était un boss de Dark Souls 1, il me semble. Un gros mastodonte. Et bénédiction divine. Ok, bon, on prend. Je vais regarder l'anneau seulement. Donc celui-là, par contre, absorbe une partie des PV de chaque ennemi vaincu. Ah, c'est pas mal ça. Et l'autre, c'était quoi? Anneau du Lion. Renforce la contre-attaque des stocks. Ouais, pour le PVP, pour ceux qui jouent en contre. Non, rien de plus. Bon. Oh putain, les dégâts! Ouais, j'aurais dû mettre mon anneau de chat, ou plutôt, ouais, j'aurais pas cru que je prenais autant de dégâts. Ouais, tout à l'heure j'en ai... Ouais, si, j'ai dû en prendre aussi des dégâts tout à l'heure. Hein. Bon, alors on va continuer par là. Bon, moi je regarde qu'à droite, j'aurais dû regarder un peu des deux côtés, ça aurait été mieux. Là, il n'y a rien. Rien du tout cet endroit là. Non, là j'y suis pas venu là. Ok. Ciblage s'il te plaît. Ok, deuxième idée. J'ai déjà tué un. Et du coup, je vais récupérer une grande dame ici. Ok, il y en a deux. Putain, il y a un 400. Putain, on les voit au dernier moment, les chiens là. Je vais regarder combien j'en ai de fragments, de grands fragments de titanite. J'ai l'impression que j'en ai chopé, mais alors à la toque ici. Hein. Putain, j'en ai que 19. Oh, dis donc, je m'attendais vraiment à plus. Ouais. Bon, à mon avis, il faut vraiment farmer beaucoup.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout farmé, hein. Je pense que si tu farmes dans cette zone là, tu peux en récupérer vraiment beaucoup, hein. J'avais l'impression que j'en avais plus que ça. Bon, enfin, en tout cas, c'est une zone où tu peux les farmer, hein. Les fragments et les grands fragments. Alors, attends, c'est où ça? Ah ouais, ouais, d'accord. Ça marche. Je me repère. Voilà, là par exemple, ils sont trois tout à l'heure. Tout à l'heure, ils n'y étaient pas, ces trois. Bon, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais point. En tout cas, on a 39 000. Ce qui est déjà pas mal. Pas de petit objet, je vois pas de truc un peu chelou du style passage secret. Enfin, cette zone elle est superbe. Là il y a vraiment, je trouve, une influence Bloodborne dans cette dans l'architecture de cette zone, vraiment. Moi ça me fait penser beaucoup beaucoup à Bloodborne. Là. Ok, je dois pouvoir me laisser tomber. Il y a un objet en contrebas. Par contre, il y a plein de mobs ici. Putain, mais ah, je l'ai pas vu du tout, lui. Alors lui, par contre, j'ai pas du tout vu ses yeux. Là, je vois cela. Ah, bien sûr, en plus, je prends le gem. C'est faux. Ok, j'ai pris la congélation, super. C'est pas grave. Je l'ai jamais pris, ce truc. Qu'est-ce que ça me fait? C'est pas dingue comme condition, il y a pire, hein. Ok, il y a les deux snipes. Non, toi je t'ai vu, mais toi aussi, ok, là il y en a plein. M'occuper de cela là déjà. Ah, mais il y avait un trou là. Ouh, j'ai eu un peu de chance de pas tomber là. Ça a été le geste. Ah, je l'avais vraiment pas vu. Ah, je serais tombé, à mon avis, j'étais dead là. Putain, mais. Il y en a encore? Et là, il n'y a rien de particulier. D'accord, j'ai encore topé la congélation, je m'en fous. Alors ça m'emmène où ça? Ah ouais, non mais là je tombais, c'était réglé. Hein. Je pense que j'aurais été dead. Quoique pas sûr, hein. Pas sûr. Ah si si, ça m'a l'air d'être encore plus haut que ça. Bon, je sais pas. C'est pas grave, mais bon, j'ai bien fait de pas tomber. Ok, là j'arrive au pied du bâtiment. Est-ce que ça sent le boss ? J'entendais pas là. J'entendais pas. Putain, il a une faux lui.
toi, tu vas en découdre. Donne-moi ta faux, toi. Non? Non. Bon. File-moi ton bouclier, toi. J'ai l'impression qu'il protège bien ton bouclier, là. Dommage que... Ah ah, marque d'invocation. Ok, donc ça, c'est un boss. Deuxième marque d'invocation. Ah, c'est là où je peux récupérer un objet. D'accord. Troisième marque. Oh non, mais c'est... Donc c'est du 3 contre... Du 4 contre 1. Y'a rien du tout là. Ah ouais. Je me serais vu un petit objet par là. Bon, bah de toute façon le boss, peut-être pas tout de suite, hein. Parce que de toute façon la vidéo va bientôt couper. Où je suis là? Putain mais... Et sans déconner, tu les vois pas du tout. Ah oui. D'accord, ça serait la grille, une braise où on passait à travers, ça. Ouais. D'accord, donc là, un beau petit raccourci. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ce que j'aimerais bien, c'est récupérer ça. L'objet qui est en contrebas, là. L'anneau de l'aîné solaire. Améliore grandement les formes de miracles. Ouais, non, j'ai pas envie de te combattre, toi. Là, j'aimerais bien surtout retourner au feu. Et aller vérifier cette histoire de... d'armure de Kreton, là. En tout cas, on a débloqué un raccourci pour pouvoir aller vers le prochain boss. Je vais aller Irithyll, la vallée boréale, le début de la zone. Cette magnifique zone. Et est-ce que je vais récupérer l'armure? À moins qu'on doit peut-être le rencontrer une troisième fois. Je sais pas. Bon, de toute façon, on va faire un petit tour. C'est pas très loin. Ça mange pas de pain. Ouais, je vois un petit point blanc là-bas. C'est peut-être un reflet, mais j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est un objet, c'est bon ça. C'est très très bon. Donc c'est l'armure de Kreton, donc le casque en tout cas, et... Toute l'armure de Myra, on appelle ça comme ça. Eh ben allez, je repars au sanctuaire. Bon bah ben c'est pas mal, hein. On a fait encore pas mal de petites choses. On a avancé sur certaines quêtes, on a pris pas mal d'âmes. Ah. Je vais lui donner les cendres couvertes d'excréments. Oh, tu vas aimer ça, toi. Alors, les articles, ouais, tant qu'ils sont pas remplis de merde, ça serait pas mal. Voilà, on n'avait qu'un stock défini de résine de pain d'humain et de résine de pain doré, malheureusement. J'en aurais bien acheté davantage. Tiens, ça c'est une nouvelle armure. Casque en fer noir, donc l'armure en fer noir.
Ça a l'air d'être... ouais, c'est une armure lourde. L'armure du bourreau. Donc l'armure d'exilé, on l'avait vu. Ouais, donc il y a déjà quelques articles supplémentaires. Ouais, 5000 x 3. On est à 15000, c'est pas mal. Des braises, on en a 33, franchement. Je crois que j'ai dû en utiliser une pour le moment. Et donc, on est à 64000, ce qui est pas mal du tout. On va pouvoir monter. Combien je peux prendre? 3 niveaux. 3 niveaux. Bon, je pense que 30 en vita, ça sera pas mal. Mais par la suite, je vais mettre déjà un point en dex. Comme ça, on passe à 30 en dex. Et je vais mettre 20 en endu. Ce qui serait pas mal, c'est que je puisse donner un coup supplémentaire de katana. Ce serait pas mal. Bon. Ben voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. À moins que je puisse aller parler à un PNJ particulier. Il n'y a que Yuria là qui me... Speak, thy desire, honorable lord of Hollow. Our lord, and knows thou... Non, non, elle me parle toujours de Henri pour le moment. Rien de plus. Bon, pourquoi je... Indirectement, je m'inquiète un petit peu sur sa quête, parce que c'est sa quête qui est liée au... Comment ils appellent ça exactement? Au symbole noir. Donc moi j'en ai 5, mais il faut en récupérer 8 pour pouvoir accéder à une quête particulière. À une fin particulière, pas une quête, une fin. Et les 3 autres qu'on récupère sont liés à Yuria. Donc c'est pour ça qu'il faut, bon, faut faire gaffe. Tiens, Pierrot de gardien, non mais je crois qu'il voulait pas le prendre. Bon, la poupée, je sais pas à quoi elle sert pour le moment. Non, bon, on est pas mal. On avait récupéré... Hop. Fragment d'os mort-vivant. Voilà, comme ça je passe en plus 7. Et puis je ferai un petit tri de mon inventaire pour dégager un petit peu ce que je veux pas. Bon, et ben voilà, je m'arrête ici. La suite, eh ben on va continuer encore. Je pense qu'on va partir sur une autre zone que Irithyll. Hein. Enfin, déjà, on va avoir le boss de la zone d'Irithyll. Et puis, bon, suivant comment ça se passe, on continuera vers la suite. À l'heure actuelle, je m'en souviens plus du tout par où on va. Hein. Mais bon, on va trouver, on va chercher, on va trouver. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Hein. Moi, de toute façon, je suis toujours aux anges. Hein. De toute façon, Dark Souls 3, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un jeu de légende. Donc, ce qui est bizarre, c'est après, quand tu passes sur un autre jeu qui est nettement moins bien, là, le Dark Souls 3 te manque. Hein. Mais bon, enfin, le Dark Souls 3, les Dark Souls. Bon, bref, il n'y a pas que les Dark Souls, il y a quand même d'autres très 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 bons Souls-like que je vous ai déjà présentés sur la chaîne et que je vous présenterai par la suite. Hein. J'essaye de faire ma promo à chaque fois. Sur ce, j'arrête de tchatcher et je vous dis ciao ciao à tous.